ammoniac pour comme on aimait pour le vinaigrette. Après 3 jours pour la fiente de pigeon, ça c'est quoi c'est fort. Ah. La caca des pigeons. Ah. Pourquoi mon ami? Pour assouplir les cuirs. Okay. Mon ami, la fiente de pigeon c'est acide. Ah. Toujours on travaille avec le vote, avec les gars. Les femmes le travail des kilim, ça veut dire kilim? Non. Les kilim c'est les tisseurs aujourd'hui, tissage. Les hommes travaillent les cuirs, les femmes kilim. Les femmes. Le Picasso, ben Picasso. Ok. Voilà, c'est les tisseurs aujourd'hui. Et toujours mon ami, ici on travaille, pas de machine, tout à la main. Parce que mon ami, les bassins carrés, c'est le matériel, et les bassins ronds, c'est pas la couleur. Ok. Tu comprends? Ok. Waha. Waha. Waha, ça veut dire d'accord, waha. Allez, je te suis. Mon ami, j'habite ici un mois à Marrakech, l'arabe c'est bien. Waha, je prends, je suis là. Kif-kif. Kif-kif, je te dis kif-kif. Regarde, monsieur, ça, il y a dedans, il y a le pot. Il y a 200, 300 pour les bacs. Parce que les bassins, mon ami, 1,50 m. Voilà, regarde. Il y a le fond, il y a 200, parce que ça, mon ami, avec la chaux. Regarde, monsieur, la chaux, ça brûle. Wow. Une semaine pour le vilopal. Voilà. Parce que ça, mon ami, toujours on travaille à la main, pas de machine. Voilà. Ça, c'est le bassin, comme ça. Regarde, monsieur, ça. Et ça, c'est le pot. Ça, c'est le pot de vache. Et ça, c'est le pot de dromadaire. Et ça, c'est la graisse, mon ami, regarde, c'est la graisse. Okay. La graisse de dromadaire, mon ami, avec les femmes de la montagne, avec le père, avec la crème du visage. La crème. Okay. Et ça, c'est toujours mon ami. Et ça, c'est que tu viens. Voilà, ça c'est le pot de remodel, monsieur, c'est solide, monsieur. Et ça, mon ami, c'est de couleur nette, vous ne pas tant ça. Vous avez que le temps, ça patine, chou. Après, c'est solide, le remodel. Après, ça fait quoi, le travail? Non, le travail avec les semelles de babouches, les semelles, parce que c'est très. Ah, long. Ouais, ok. Bon. Les blaisons, mon ami, travaillent avec l'agneau, c'est sûr. Voilà, que tu viens. Avec le temps, ça patine, monsieur. Avec le cuir qu'on a vu. Allez, comme ça, Mohamed, tu t'assois comme ça, je te donne un peu d'explication. D'abord, la finition, merci. D'accord. En français, bien? Ouais, français. D'accord. C'est... Vous êtes de la France? Ouais, Toulouse.
à côté de l'Espagne. Ouais, dans le sud de la France, ouais, la frontière, ouais, c'est pas loin. Il y a l'Andorre. Alors, on travaille, s'il vous plaît, quatre sortes de cuir. Chèvre, mouton, dromadaire et vache. Chameau de bosse, dromadaire et une bosse. Mais au niveau du cuir, c'est kip-kip. Kip-kip, ça veut dire pareil. C'est à peu près pareil. Dans le mouton. Vous voyez ? Ouais. Mouton, plus de dors. Parce que nous, on travaille des produits naturels. Et franchement, il n'y a pas d'odeur, il n'y a rien. C'est voilà, vraiment bien fait. Ça, c'est côté viande. Ça, c'est du pur travail. Et ça, c'est côté poil. Oui, c'est naturel. Mais si tu peux travailler les produits naturels, il faut le temps. Ouais. Pourquoi ? Parce que la peau, ça boit les produits naturels lentement. Si tu es pressé, tu t'as le mal, même dans les produits naturels. Ça, c'est côté poil. Côté poil, c'est toujours très lisse, toujours très douce. Pourquoi ? Tu sais, quand on enlève les poils, il y a les pores. Hein? Ouais. Alors, ça boit les produits naturels sur le côté poil parce que les pores. C'est pour ça qu'on trouve toujours très douce, toujours très souple sur le côté poil. Alors, avec cette peau, tu sais à quoi ça sert, ça ? Ça, c'est un joli pouf pour s'asseoir. Parce que la plupart des gens, ils pensent que c'est du corbeil pour mettre le chat ou le chien. Non. Voilà, c'est ça. C'est ce que je ne voulais pas les dire. La plupart, la plupart. En France, là, ils auraient dit c'est le truc pour et à la maison, tu rembours. Soit avec la mousse, des pailles, journal, capot, coton. À chez moi, je mets des vieux vêtements. Okay. C'est une bonne idée. Au lieu que tu jettes, tu mets là-dedans. Et ça fait un joli pouf pour s'asseoir devant les bouteilles, pour se reposer les pieds. Le bleu, on peint avec l'indigo, c'est minéral. Le rose, c'est coquelicot. Le jaune, on peint avec... Attends, voyons, je répète. Ça, c'est... L'indigo. Indigo. Indigo, c'est minéral. Coquelicot. Coquelicot. Là, c'est du henné et l'orange. Henné, ouais. Le jaune, ça prend. Le vert, menthe. Et le marron, cannelle. Et le dromadaire, c'est ça. La peau du dromadaire, on a laissé nature. C'est plus épais, hein. Ouais. Il y a du travail. Ouais, il y a du travail. C'est là. Magnifique. Couleur bois, ça se marie avec n'importe quel style dans la maison. Naturel, végétal. Ça, c'est du travail artisanal. Et le veau, on fait des sacs. Le veau, vous faites les sacs. Okay. On fait des sacs, il y a toutes les dimensions, petites, moyennes, grandes. On ne sait jamais si vous avez vu une jolie pour la famille, pour la gazelle. Et il y a un joli souvenir naturel. Et c'est ça le bénéfice des vacances, monsieur, parce que la vacance, ça passe, ça reste. Hein. Ouais. Il est naturel, 100%. Votre gauchère, monsieur, laquelle tu prends ? En même temps, on fait des babouches. Il est ronde, c'est berbère, pointu, c'est arabe. C'est ça la différence entre les rondes et les pointues. Ok.
Thank you.
Voilà. Thank you.
Ouais.